Salutations, nous nous retrouvons à nouveau sur Jedi Survivor pour la suite de notre grande aventure. Maître Cordova a dit que Dagan avait une base sur Kobo. Allons la trouver. Quoi qu'il ait utilisé et il faut aller pour traverser sur Kobo. L'abysse, on le trouvera peut-être ici. On a terminé d'explorer la Lune. J'aurais aimé te voir ferrailler sur Braca dans tes jeunes années. Ah ouais? Bah c'était pas bien passionnant hein, mon gars. Peut-être 5 minutes histoire de voir, mais bon, ça aurait pas été intéressant. Je devrais essayer de nouveaux composants. Non. Attends, quoi que sabre laser, est-ce qu'on peut rajouter Ah, on peut. Vas-y, comme ça. Ah, il me semble qu'on en a rien pas mal d'embout là. Attends, on a que ça. Ouais, comme ça. On verra si c'est bien équilibré. Oh oui, hein. Ça a l'air bien là. Ergonomique et efficace. J'ai envie de changer la couleur par contre. Vas-y, un petit orange. Un petit orange et on va récupérer. On va récupérer rien du tout, on va mettre des points de talent. Peut-être en survie. Plus de santé. La jauge de blocage. Esquive automatique les. Oh, c'est fort. C'est pété quoi. Le pouvoir de l'amitié. Ah ok, ça recharge la force aussi. Mais attends, on va retourner là. Bon, allez, let's go. On va continuer notre aventure. On a bien eu ce qu'on voulait hein, sur cette planète. Ouais, y'a plus rien à faire. D'accord. Let's go. En avant sur Kobo. J'avais dit Doba, ouais. Cap sur la meilleure gargote de Kobo. Let's go. T'as jeté un œil sur la vieille tech que Cal a trouvée dans le labo? J'ai absolument rien compris. Peut-être qu'on comprendra mieux quand on sera allé voir le repère de Dagan sur Kobo. Les gens vont sur Kobo quand leur vie est foutue. Ils y vont pas pour la réparer. Et toi, Gris? Si tu sous-entends que j'étais un latéraux foutu à mon arrivée sur Kobo, tu te trompes. J'avais simplement besoin de faire une petite pause loin de vous. Bah nickel. On bouge plus, là. Bah. J'ai bien rentré. Ah d'accord, tu bouges pas. Mais là on bouge pas, hein, je suis pas fou. Vas-y, hein. Les recherches de Maître Cordova montrent qu'il y a un village abandonné du côté est de la vallée. Allons jeter un œil. Hmm.
On avait pris un TP la dernière fois. Hop. On est parti. Ok, tout droit. Oh, c'est bien calme. Allez, le robot là, on le prend. Encore de la priorité. Je me demande combien on peut en tirer chez Doma. On ne doit plus être très loin. Cela dit, je ne vois rien qui ressemble à un village. Peut-être en bas là ? C'est par là qu'il faut aller. C'est parti. Hop là. Cette fois. Bon, on l'a aidé, ça me ferait mal qu'il se venge quoi. Il faut bouger. Cet endroit est en ruine. Là là. Un chasseur de primes. Un chasseur de primes. La nuée d'action nous a retrouvés. Bon. Oh bien joué, c'était stylé ça. Oh, bien joué. Zawaldo, Tokyo Tomale. Ce petit fouineur a retrouvé ta trace près de l'avant-poste. Cal, tu nous as observés, on dirait. Ah, t'as fait forte impression, Cal. Il faut dire que tous les nouveaux ne se présentent pas en éliminant un des sbires de Revis. Bien joué, très classe, belle entrée en scène. Merci. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Ah, ce que je veux, Cal, c'est te récompenser pour chacun de ces types que tu élimineras. T'es pas le seul à être venu sur Kobo pour respirer un peu. Arrache ça au chasseur de primes, et je saurai te récompenser.
un membre de la nuée d'action. Donc les autres vont arriver. Exactement. Heureusement pour toi, je reste toujours aux aguets. Passe au saloon. Et on s'occupera de ces chasseurs ensemble. Très bien. Je vais y réfléchir. Bah d'accord. Ça joue au cowboy quoi. Des bisous hein. Il faut croire que je suis le seul à pas avoir de propulseur ici. Bah oui. Prime débloquée. Prime légendaire. C'est vraiment pas mal. Allez BD, on doit encore trouver le repère de Dagan. Bien joué BD. C'est où les primes? Ça te disait pas de me donner un coup de main? Gratuitement, je crois pas, non. J'ai vraiment besoin d'un steam. Ressens la planète et tout ce qui y est lié, puis étends ta conscience. Je crois que... Là, je l'ai senti. Voilà. C'est très bien, Padawan. Ok, ça monte. Mais on n'a pas de quoi activer ce truc là. Peut-être un peu plus loin. Bien joué. Je vais payer. Plus vite. On galère un peu là. Il me faut un coup de main. Qu'est-ce que c'est? Parfait. Ça descend par là, ok. On va d'abord monter là. Il va marcher ce foutu truc. J'ai bien envie de le mettre en pièces pour voir. On va le changer de direction là. En vrai, faut juste le changer de direction et on est bien. C'est rouge, du coup j'imagine on peut pas. Il nous manque encore des capacités. Let's go. Ça doit être l'endroit dont parlait Cordova.
Encore de la santé. On est maxé là, non? Bon, je suis prêt. Let's go. On n'est pas les seuls à chercher quelque chose ici. Tu crois que c'est Dagan? C'est déjà quoi là? Ah. Pardon. Mais il nous manque une boule. Bah, c'est ce que j'ai fait, hein. Si, t'es mort. Désolé, hein. Bienvenue, Jedi. C'est ça que t'as écrit? T'as trouvé quelque chose, BD? Ça me parle de où, là? Bah d'accord. On se repose un peu. Fais-y tomber, hein. Des conduits thermiques, couverts de matière de Kobo. Il y a peut-être un moyen de l'enlever. Par là que je dois aller. Mais... T'es sérieux? Je dois aller là-bas, là. Tiens.
mais il me faut une boule en fait. Et la boule, tu dois l'avoir au-dessus. Bon, oh, c'est là dans tous les cas. Faut ramener une boule là, là. Et en gros, tu vises ça là-bas, là. Et la seule boule disponible, c'est celle qui est ici. D'accord. Attends. Non, ok. Je suis blessé. Merci, BD. Mais non, t'es pas blessé, oui. Le jeu a l'air incroyable. Bah parfait, salut Chesco. Mais attends, je peux rentrer là? Oh mais quel connard. Quel connard. Ici tu apprendras à maîtriser la matière de Kobo afin de te préparer à traverser l'abysse. Mais la réussite renforcera encore davantage ton lien avec la force. Non mais vraiment un gros cerveau quoi. Comment faire hein? Maître. Puis-je m'absenter? Tu as rendez-vous quelque part. Très bien. Reviens me voir plus tard. Merci. Je n'y manquerai pas. Laisse ton lien avec la force te guider vers notre objectif commun. Tanalor. Santar écrit entraîner les Jedi pour les préparer au voyage à travers l'abysse. En fait, la question c'est comment je fais pour détruire ça, pour récupérer le petit machin là. Peut-être derrière là. On se posera des questions plus tard. Hein. Allez. Hop là. Non, ça sert à rien ça. Parfait. Tu crois qu'on peut traverser avec ce courant ascendant? Ah oui. Hein. Ah. C'est bizarre que ça s'arrête pile poil là, là. Ça m'arrange pas des masses que ça s'arrête là.
Bah. Voilà. Y'a vraiment aucun moyen de rediriger ça vers là? Let's go. Oh mais il y a un autre truc là. Pour aller chercher le coffre. Oh, le droïde. Bon. Salut hein. Même au corps à corps ils savent pas viser. Il sert à quoi le deuxième? C'est juste pour faire demi-tour? Oui. Ils sont deux, hein. The World. Ton cul au ton malais. Ah non mais, y'en a un qui me fait... Hop, un de moins. À ton tour mon pote. Hein. Bah. The World. Vraiment le Jedi il esquive jamais. Hein. Bienvenue Jedi. Dans chaque monde auquel la République tend la main, il existe des opportunités de partage et d'apprentissage. Et cette planète a beaucoup à nous apprendre. Qu'est-ce que t'as appris, Santari? On va déjà aller par là, non? Ah bah parfait, hein. Je saute pas assez haut. Alors, je la mets où la Pokéball? Y a du loot là. Attends, je vais mettre ça là vite fait. Je vais aller chercher le loot. Ah bah je peux pas. Ah, faut le faire tomber avec le machin violet. Okay. Non. Non. Bah merde. Je suis bloqué. Hein. C'est officiel.
C'est bien, il y a du rouge partout. Hein. Bon, en fait, faut faire bouger ça. Non mais... T'es fou pas de moi. Mais comment on y accède? Il y a un petit truc vert là. Ah mais le petit truc vert c'est pas le truc pas accessible. Tu veux pas m'aider BD? Ça se joue avec ça. Et... Mais non, mais à quel moment j'ai voulu faire ça? Note pour plus tard, on peut se renvoyer les trucs sur la gueule. Ça sert à rien, mais on peut. Ah oui mais bon explique moi pourquoi là je peux pas. Là je peux parce qu'il y a des rayures quoi. Je suis coincé hein. J'ai beau être matinal je suis coincé quand même. Peut-être un deuxième appareil comme ça. Si je regarde ce truc en face. C'est pas un appareil ça justement? Parce que ça je pensais que c'était du loot. Mais non, c'est pas du loot hein. Oh mais je pensais que c'était du loot, ça dégoûte. Je me demande quel secret renferme cet endroit. Je me suis bloqué tout seul comme un débile. Moi je pensais que c'était un écho. Bon, on va laisser. Ah bah d'accord. Nous pensons que la matière de Kobo provient des profondeurs de l'abysse. Cette étrange substance est énigmatique, mais n'est cependant pas impossible à étudier ni à manipuler. Comme toute chose, si nous la comprenons, nous pouvons la canaliser et donc la contrôler. Ils étudiaient la matière de Kobo et l'abysse. C'est comme ça que Dagan est arrivé sur Tanalore. Bon, d'accord. Joli coup, mon pote. On peut faire pipi partout, c'est beau. Comment on refait la visée de BD là? La jupe à barre.
qu'en travaillant ensemble que la République et l'Ordre Jedi pourront comprendre les mystères de la galaxie et les mettre au service du bien commun. La Force est notre guide. Ça ressemble à l'Ordre, tel que je m'en souviens. Tout ce que Kree a construit ici a été détruit par une catastrophe qu'elle n'avait pas prévue. Parfois, j'ai l'impression que l'histoire est un éternel recommencement. Voilà. Merci. Jolie trouvaille. On montrera ça à Zed. J'ai entendu Maître Kree parler de son projet pour l'Abyss. Il n'est pas bon d'espionner les conversations, ni de ragoter. Oui, maître. Mes excuses. D'accord. Let's go. Bah attends, il est où le truc Il me faut une boule. Tech. Est-ce que je peux prendre la boule là? Non. Parfait. De nettoyer. On devrait pouvoir utiliser le courant ascendant pour atteindre l'autre côté. Hop. En route. En route. Vas-y, on va prendre le coffre. Ah mais en fait c'est trop haut. En fait c'est pas fait pour ça je crois. Ah ou alors il faut descendre un peu plus avec le... avec la chauve-souris. Faire un petit détour quoi. Voilà. Oh, la batterie est faible. On est revenu là. Hein. La batterie de la manette est faible, hein. Faut se dépêcher. Hein. J'oublie vite. Hein. Ah.
Bien joué. Bien joué, mais tu restes faible. Ouais, j'ai plus de soins. Très bien. On peut y aller. Let's go. Comment je suis en... Ça passe, non? Oui. Bonsoir, oui. Non. C'est fini. Non. Je vais t'anéantir. J'ai pris des dégâts. Ok. C'en est pas un de base, hein. C'est un vétéran, lui. Ouais. Je vise la cible. Je te traquerai jusqu'au bout. Bah, arrête de parler, hein, t'es mort. Ah, dommage. Je commence à m'inquiéter pour ce projet. Nous n'avons pas à le remettre en question. Même les Padawans sentent que quelque chose ne va pas. Alors. Prêt pour le coup. Quoi? Hmm. Je ne lâcherai rien. On voit bien la diff, hein, quand même, avec les vétérans. Bienvenue, Jedi. Des ennemis de la paix menacent la frontière galactique et notre république. Lorsque nous aurons passé l'abyss, Tanalore pourrait être un bastion duquel nous repousserons cette menace. Un symbole d'espoir et de justice pour la bordure extérieure. Tanalore était plus qu'une mission pour elle. C'était le rêve d'un avenir meilleur. Ok, c'est ça le problème. À quel moment ça passe pas là? Faut peut-être un truc pour bloquer là. Y a pas une caisse ou quoi? Voilà.
J'ai fait aussi vite que possible. Mon maître est exigeant. C'est bon, t'as pas à t'en faire pour ça. Pas ici. Ça dit les du shit, quoi. Alors la question c'est comment faire? Est-ce que ça marche malgré la le truc là? Pourquoi ça passe à travers la vitre? À quel moment? Un petit peu. Voilà. Atteindre le sommet maintenant. Hop. En avant. Voyons ce qu'il y a dedans. Je dois me recentrer. On va sauvegarder, hein. Petite sauvegarde. Voilà. Rien. Ok. Oh. Tu résisteras. J'aime pas les minables dans ton genre. Ah! BD. Allez BD hein. Bien joué. Allez. Il m'a bien maravé. Hein. Voilà. Oh, le avoir le dos a pas été très efficace. Hein. On l'agresse. Oh.
maintenant, BD. On a gagné, hein. On a tellement gagné qu'on arrête de réfléchir, du coup, c'est ce qu'on va perdre. Hein. Non, c'est bon. Un autre pillard avec un sabre laser. Dagan doit les envoyer chercher quelque chose. Et on est sur la même piste. Bon, on va aller récupérer nos PV. Ça a été un adversaire valeureux. En grande partie parce que j'ai été très mauvais. C'est tout bon, BD. Elle est toute à toi. Belle démonstration. Comment dire ? Ça passe pas. Encore un de ces appareils. Ah, il est cassé lui aussi. C'est pas grave, ça fait deux, hein. Il arrive. Détruis-le, maintenant. Non. Ah. Attendez. C'était un autre des appareils de Santari. Dagan a tué les Jedi qu'il avait détruits. Je pense que ces appareils sont la clé. Rapportons ça à Maître Cordova. T'as quelque chose? Je crois que Maître Tapal avait celui-là. Thèse de Yaddle. C'est les... c'est la race cette de Maître Yoda. À l'extérieur. Il faut les retenir. Attention! Je ne peux pas! On devrait ramener ça sur Jeddah. Yep. Serré et Maître Cordova seront sûrement intéressés par nos découvertes. On a fini du coup. Faut rentrer chez nous. Ouais, faut rentrer chez nous. Bon allez hein. Après normalement pour rentrer chez nous il y a un meilleur moyen hein, que refaire la route hein. C'est ce que je vais faire là hein. La petite TP là. Oh my wamo TP da. Toc. C'est compétence hein. C'est pas TP mais c'est pas grave. On sait pas lire. Tech. Ah ouais d'accord. Voilà. Ça c'est la ville. C'était facile. À travailler, BD. On va changer la couleur du sabre laser. J'aime pas trop en orange. On va ignorer les tirs de sabre laser. En plus, j'ai des voix de droïdes. Bon. La ville est attaquée?
Bon, non, pas du tout. Elles sont où les primes là? Rumeur. On aurait peut-être dû lire, hein. Pour savoir où c'était, hein. Bonjour. Est-ce qu'il est dans le bar? Petit tour au bar, là. Respecte-moi, mon gars. Ah, il a la garonne en cru, c'est ce que ça veut dire. D'ailleurs, Chasco, tu les as encore là? Je pourrais t'en trouver à des prix défiant toute concurrence. Ah ouais, il est là. Ah mais c'est toi qui m'avais envoyé bouler la dernière fois. Quand je suis venu te parler. Qu'est-ce qu'on a là? Je t'ai prévu ta première cible. Il paraît qu'un crack d'action du nom de Kipostar rôde dans la gorge déterrée. Il aime prendre ses proies par surprise, alors surveille tes arrières. Merci du conseil. Tu me remercieras en rendant son palais de trac. D'accord. C'est-à-dire c'est à 800 km là? Bon, on va regarder s'il y a une petite TP, hein. Allez, let's go, la TP. Je dois me recentrer. Bon, il y a une TP juste à côté, voilà. Dans ces cas-là, on y va. Hein. Ça paye pas de pain, quoi. C'est de l'argent gratuit, c'est de l'XP gratuit. C'est moins cher que gratuit. Au-dessus, okay. Ça fonctionne maintenant, ça? Je peux pas appeler l'ascenseur d'ici. Malgré la garde brisée. Boum. The world. T'as connu pire? D'être enfermé dans un coin pendant que tu te fais mitrailler par des coups de sabre laser? Permets-moi d'en douter. Oh.
ma volonté. Hein. Bah, genre. Elle se défend la coquine. Hein. Qu'est-ce que t'as trouvé? Très bien. Mais j'avais oublié son existence. Bon, on retourne en ville. Hein. Par contre, je vois pas trop l'intérêt de faire ce genre de quête secondaire. Sauf pour l'XP. Ça a donné beaucoup. Moi je verrai sur le replay. Ça a rien donné, j'étais déjà niveau 2. En fait c'est des quêtes secondaires mais juste pour le plaisir quoi. Ça donne pas d'XP et j'imagine ça... Ça va rien me donner. Hein. Bien, installe-toi au bar. Pas le temps. Écoute, maintenant qu'on est partenaire... On n'est pas partenaire. Partenaire, hein. Associé, meilleur... On n'est pas associé. On n'est pas meilleur pote non plus. Le truc, c'est que notre relation est un investissement. Et on a de plus gros poissons à ferrer que ces pillards. Je vais m'occuper de ces primes. Mais si mes amis sont en danger, ils seront prioritaires. Tu vas te faire tuer avec cette attitude, Cal. Mais d'un côté, je peux respecter ça. Bah. Voilà l'homme du jour. Raze, un droïde chasseur de primes, a été vu vers le complexe de la forêt. Pas la peine de te préparer. Si tu restes mobile, tu auras vite le dessus sur ce tas de rouille. Ah mais il y a littéralement rien du tout en récompense. Genre... Appuyez sur bas pour pirater et contrôler les droïdes B2 endommagés. Hmm. On pouvait le faire dans le 1, c'est pas grave. Zone de tir. La meilleure... Au tir chargé de cal, oui, mais... Canon, cross... Ah ouais, c'est que des trucs pour le blaster. Une arme que j'utilise jamais, quoi. Faut rentrer au vaisseau, hein. Hé hey, petit, j'ai de mauvaises nouvelles pour ton fanatique de Lord O'Eris préféré. Je sais déjà que Sork Tormo a mis une nouvelle prime sur ma tête. Vraiment? Une de tes habituées m'a donné quelques tuyaux sur lui. Elle garde un œil sur la nuée d'action depuis un moment. Alors, c'est nous qui avons une longueur d'avance sur lui. Eh ben, on aurait pu croire qu'il l'aurait laissé tomber. Bon, nickel. Bon, dans tous les cas, merci d'avoir regardé cet épisode. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Au revoir.